national. Au sommaire de ce journal, le faible taux d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les provinces du Kivu. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, implore à la CENI la prorogation de l'enrôlement dans cette zone de guerre. Nous en parlons dans ce journal. Et puis, état de droit et de gouvernance politique en Afrique centrale, c'était le thème de la conférence débat animée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata. C'était à l'université de Cocody en Côte d'Ivoire. C'est à suivre dans ce journal une fois de plus. Bonjour et merci de nous rejoindre. Nous démarrons ce journal par cette proximité et le jardin zoologique de Kinshasa, lieu de divertissement, est en état de délabrement. Des espèces animales se font rares dans les cages. Conséquence, pas d'attrait pour le public. La vitrine de la faune de la RDC se meurt à petit feu. C'est un reportage de Odilon Kayuma. Il y a quelques années passées, ces lieux touristiques faisaient la fierté de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le jardin zoologique de Kinshasa dans la commune de la Gombe est devenu l'ombre de lui-même. Les animaux des notoriétés telles que les lions, les léopards et les éléphants ont disparu. La plupart des cages, comparables à des vestiges, sont vides. Comme c'était à l'époque de Mobutu, quoi. Il faut qu'il y ait tout ce qui se trouve dans nos parcs, il faut que ça soit représenté ici aux zoo. C'est les eaux de la capitale au moins. Ceux qui partent à Lubumbashi disent que nous, à Lubumbashi, c'est mieux qu'ici. Bon. Alors que Lubumbashi, c'est la province. Kinshasa, c'est la capitale. Ça et là, les espèces animales à compter à bout de doigts sont encore visibles. Pas de public, pas de recettes. Bref, les jardins zoologiques de Kinshasa subissent une véritable descente aux enfers. Si au moins il y avait tous les animaux ici, ça devrait faire bonne recette aux gestionnaires. Mais comme il n'y a rien, quand les visiteurs viennent, bon, ils ne voient rien de spécial, bon, quel courage va-t-il avoir pour revenir un autre jour? Hormis la disparition des animaux, la nature a repris ses droits, les locaux sont en état vétuste, le jardin zoologique est semblable à un bien sans maître. Sa réhabilitation s'impose afin qu'il joue son rôle social, entre autres celui de divertir la population, surtout par ces temps, les vacanciers. Merci Odilon Kayuma pour ce reportage. État de droit et gouvernance politique en Afrique centrale, c'est le thème de la conférence débat animée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata à l'université de Cocody en Côte d'Ivoire. L'auteur fait la liaison entre le concept état de droit et la bonne gouvernance. De la République démocratique du Congo. Reportage. La République démocratique du Congo, qui est à son quatrième cycle électoral, peut se féliciter d'avoir franchi un cap sur les libertés individuelles, le pluralisme politique et l'architecture institutionnelle. Le pays de Félix Tshisekedi fait preuve de résilience dans les tentatives de déstabilisation. Acteur majeur de cette avancée démocratique comme membre du plus grand parti politique en République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le professeur André Mbata Betukumesu a partagé l'expérience de la République démocratique du Congo avec les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. À l'invitation de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le centre d'écriture en droit et en sciences politiques, créé en 2018 sous l'encadrement du professeur Mélédier Francisco, a organisé une conférence débat sur les thèmes état de droit et gouvernance politique en Afrique. Le professeur André Mbata Betukumesu Mangou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a dit toute sa joie de voir que ces cadres offre aux étudiants venus de différents pays africains de réfléchir sur les moyens de renforcer les différents pouvoirs et de maintenir leur équilibre afin de créer les conditions appropriées d'une bonne gouvernance. L'état de droit postule une certaine forme de gouvernance. L'état de droit démocratique va exiger également une gouvernance politique qui soit démocratique. Certains ont dit que l'état de droit n'appartient pas à l'Afrique. C'est de l'Occident. C'est quelque chose d'imposé. La démocratie, non. On se souvient encore des propos de Jacques Chirac dans les années 76. L'Afrique n'est pas mieux pour la démocratie. Donc l'état de droit et la démocratie sont faisables en Afrique.
La République démocratique du Congo a fait du chemin en ce qui concerne l'état de droit par rapport aux autres pays africains. Plusieurs interventions sont allées dans le sens de soutenir l'idée de se battre pour éviter que l'Afrique anglophone puisse prendre le dessus sur l'Afrique francophone. Situation sécuritaire dans la partie est du pays, plus précisément le conflit frontalier qui oppose le territoire de Walikale et Lubero dans le Nord Kivu était au centre des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avec le député national Juvénal Monobo. Juste après, Peter Kazadi a reçu les députés de la Lomami avec qui ils se sont entretenus sur les inondations survenues dans la cité de Bukama, Alain Bikaï. Dans sa activité au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Maître Peter Kazadi n'hésite pas un seul instant pour évoquer la situation sécuritaire du pays avec les représentants du peuple. Pour ce faire, les patrons de la territoriale congolaise, faisant l'intérim du Premier ministre en mission, étaient avec les élus nationaux du Haut Lomami pour échanger sur la catastrophe naturelle survenue à Bukama suite aux pluies diluviennes. La situation qui prévaut dans la province du Haut Lomami, précisément la cité de Bukama, qui depuis une semaine est dans une inondation. La population vit le calvaire, elle a tout perdu. Le ministre était très disposé à nous écouter et nous allons également faire ce qui nous revient. Et nous allons nous mettre ensemble pour que cette population soit soulagée tant soit peu. Juvénal Monobo, élu de Walikale, était aussi au rendez-vous avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour parler des conflits frontaliers entre les territoires de Walikale et de Lubero au Nord Kivu. Donc je suis venu demander son implication en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour clarifier cette situation, qu'il faut prévenir une détérioration de cette situation. Donc nous voulons agir pour la paix. Les gouverneurs de la ville-province Kinshasa, Gentiny Ngobila, étaient aussi venus présenter au numéro D du gouvernement la situation sécuritaire de sa province. Dès à l'ouverture de ce journal, le faible taux d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les deux Kivu, eh bien, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale implore à la CENI la prolongation de l'enrôlement dans cette zone de guerre. Des précisions dans ce reportage de Anim Balaka. À quelques jours de la fin de l'enrôlement des électeurs dans la partie est du pays, zone 3 de la CENI, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a choisi Bukavu, la terre de ses ancêtres, pour y accomplir son devoir civique. Après avoir communié avec la population du Sud Kivu, venue en masse l'écouter le samedi 8 avril 2023 à la place de l'indépendance, Vital Kamerhe et son épouse Amida Chatur Kamerhe se sont fait enrôler le dimanche 9 avril à l'Institut Bouriba de Bukavu. Ce fut une occasion pour les pacificateurs d'implorer à la CENI la prolongation de l'enrôlement et de l'identification des électeurs car le taux d'enregistrement est encore faible dans les deux Kivu, zones de guerre qui doivent être traitées différemment. Réellement, nous sommes enrôlés et que nous avons nos cartes d'électeurs. C'est un devoir civique. Et nous, en tant que leaders, nous devons prêcher par l'exemple. Et nous invitons toute la population du Sud Kivu de se mobiliser comme un seul homme, de profiter des quelques jours qui restent pour s'enrôler massivement. Mais nous profitons aussi de l'occasion pour réitérer la demande, la requête que nous avons formulée auprès du président de la CENI, puisque nous n'avons pas encore atteint les taux satisfaisants pour cette population électorale qui a toujours voulu élire ses leaders à tous les niveaux. Donc cette requête, nous allons l'apporter encore à Kinshasa, et les jours qui restent, deux ou trois jours, c'est insuffisant. Rappelons qu'en ces jours, dans cette province, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe et son épouse ont participé à la messe de Pâques à la paroisse Sainte-Bernadette de Walungu, dont ils financent en très grande partie la réhabilitation.
Le gouvernement de la République se préoccupe du bien-être social de la population à travers les travaux à haute intensité, à main-d'œuvre locale et d'impact visible. Plus de 8400 personnes sont mises à contribution pour l'entretien des routes dans le quartier de Bounia et ses environs. Reportage. De réhabilitation du site de Diango devant accueillir les ex-combattants évolués à pas de géant. Le bâtiment pour le désarmement, la démobilisation et autres font peau neuve. Constat du coordonnateur national adjoint en charge des opérations et techniques du PDDRCS qui s'est rendu ce lundi sur terrain pour une mission de supervision. Occasion pour le colonel magistrat Egide Bossalé d'appeler les groupes armés à se préparer pour adhérer à ce processus de paix. C'est depuis 2019 que le chef de l'État leur a lancé l'invitation de revenir à des bons sentiments, hein, revenir au sentiment de paix, de cohésion, d'unité. Et, bon, c'est tout ce que nous continuons à faire, hein, en termes de sensibilisation, leur dire qu'il y a un temps pour faire la guerre. Mais il y a un temps aussi pour faire la paix. Et ceux qui font la paix sont appelés fils des dieux. J'espère que ce message de paix, de cohésion, d'harmonie pourra leur parvenir pour qu'ils comprennent que la province a des défis énormes de développement. Et les temps qu'on s'est tiré dessus, qu'on s'est rentré dedans, je crois que ce temps est arrivé à terme pour privilégier la paix. Outre Diango, deux autres sites seront construits en territoire de Djougou et d'Irumu. Signalons que c'est le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo qui va procéder dans un proche avenir au lancement officiel de ces opérations attendues par tous, dont l'objectif est de pacifier totalement la province de l'Ituri. L'actualité, c'est aussi les 30 millions de dollars américains qui sera payé comme avance au personnel retraité de la société commerciale de transport et port SCTP, a annoncé la ministre d'État du portefeuille Adèle Kaïnda. Il s'agit d'une avance sur le 207 millions que le gouvernement leur doit depuis plusieurs années. Angèle Mabiala. C'est l'accomplissement de la promesse gouvernementale pour la relance de la société commerciale de transport et de port, promesse accompagnée de la restructuration profonde initiée par la ministre d'État en charge du portefeuille. La SCTPP a enfin respiré et son personnel a envisagé un avenir prometteur. L'argent liquide est déjà là. Vous attendiez 207, mais nous, on a préféré être plus concrète. On ne parle pas d'abord de 207, nous parlons de 30 millions. Et après 30 millions, on aura encore 30 millions. Et après les 30 millions, là, on va voir. Et j'espère que là, l'entreprise aussi va devoir produire et se relancer. Et il y aura maintenant des bénéfices qui seront aussi à l'actif de la SCTP. Les comités de gestion et la direction générale se réjouissent de la volonté manifeste du numéro 1 des entreprises publiques pour donner du souffle à la SCTP. Le 207, aujourd'hui, presque deux ans, elle n'a jamais été disponible. Mais avec les 30 millions, elle s'est de verrouiller. Nous vous félicitons, Excellence, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de ce fonds qui est disponible à la banque. Continuez toujours à payer. La patronne du portefeuille avait promis, il y a quelques jours, de s'investir pour l'aboutissement heureux de ce dossier. Le bon syndical s'est réjoui. Vous vous battez pour que la solution soit trouvée. Vous resterez toujours dans l'histoire. La société commerciale de transport et de port doit se revêtir de sa plus belle robe d'antan pour rivaliser d'autres entreprises publiques. Parlons des femmes à présent. C'est la reconnaissance d'une mère au personnel féminin de la radio à télévision nationale congolaise pour les bons et loyaux services rendus à la nation. La FES le dit de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi a clôturé le mois dédié aux droits des femmes avec les journalistes femmes de la RTNC que dirige Madame Sylvie Elengue, une célébration que la directrice générale de la RTNC a placée sous les signes de la Renaissance, Naïcha Kalamula. L'église au milieu du village comptait l'histoire
de la télévision nationale a été exposée en tout ce qu'elle a de brillance féminine. Initiée par la directrice générale de la Radio-Télévision nationale congolaise, Sylvie Elenge-Niembo, cette soirée a réuni les présentatrices, productrices, animatrices, techniciennes de radio et télévision depuis la création de la RTNC jusqu'à ce jour. Une célébration à laquelle a pris part la très distinguée première dame Denise Nyakiru Tshisekedi, défenseur farouche des femmes. Ont répondu également à cette invitation de la DG Sylvie Elenge, des hommes genrés tels que le président du Sénat, Modeste Baati, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya et quelques membres du gouvernement. Un bond dans le passé et une pause dans le présent que les femmes de la RTNC de toutes les générations ont offert ce 8 avril à leur hôte. En 1966, le maréchal Mobutu, pour commémorer l'an 1 de son pouvoir, donnera le plus grand cadeau au peuple congolais, c'est d'installer la télévision. Il y a eu des belles années réservées aux hommes, mais c'était le temps pour les femmes de prendre leur revanche. Et aujourd'hui, elles sont là. Pour le ministre Patrick Muyaya, les prouesses de la RTNC résonnent au-delà de la sphère médiatique et son mérite est une évidence qui prend de plus en plus corps dans la vision du chef de l'État. Nous avons voulu plutôt vous honorer et vous dire merci pour l'apport considérable que toutes les femmes de la télévision nationale font dans les services que vous rendez. Ce soir, ce n'est pas vraiment l'occasion d'aller dans la profondeur de ce que nous faisons. Mais Madame la distinguée Première Dame, je voudrais vous dire que la RTNC 1 et 2 sont dirigées par des femmes. C'est pour vous dire que nous, à la suite du Président de la République, nous croyons fortement au leadership féminin et à la capacité de la femme de diriger et d'effectivement jouer son rôle dans les développements de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Avec l'avènement du numérique, la femme de la télévision nationale a toutes les compétences pour offrir au pays un rayonnement qui puisse retentir à travers le continent, a affirmé la DG de la RTNC. Ce soir, la Radio-Télévision nationale congolaise célèbre la clôture du mois de la femme, intervenue il y a une semaine déjà, en même temps qu'elle salue solennellement l'engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la promotion des femmes au sein des institutions, des entreprises et établissements publics. La RTNC lui doit une fière chandelle, notamment pour sa contribution à la masculinité positive, depuis son avènement à la tête du pays. Réagissant au thème et en fait l'objet de moult réflexions tout au long du mois de la femme, à savoir pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, nous tenons à confirmer notre engagement pour l'appropriation collective du numérique par les femmes pour leur épanouissement. Dans la perspective de la modernisation des équipements techniques de la Radio-Télévision nationale congolaise, cette absence de parité dans le numérique est perçue à nos yeux comme un problème majeur à résoudre en urgence, car le numérique, c'est l'avenir. En effet, la migration progressive vers le numérique permettra de mettre fin à la diffusion des images que nos téléspectateurs appellent non sans humour échographie. Cette migration impose donc des formations régulières en matière d'éthique. Tout au long de notre mandat, nous mettons un accent particulier sur la formation continue dans les divers métiers de la télévision, de la radio et du numérique. L'équipe dirigeante de la RTNC s'emploie à offrir un cadre idéal de travail, d'où ce plaidoyer pour la remise en état de la polyclinique de la RTNC qui manque de tout. À cela s'ajoutent d'autres réformes qui, avec l'implication de tous, augurent une nouvelle ère, celle de la renaissance de la chaîne nationale. Une démarche saluée par la First Lady, car pour Denise Nyakiru Tshisekedi, c'est par l'effort collectif que le phénix pourra renaître de ses cendres. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, défis et opportunités pour la RDC. C'est autour de ce thème que plusieurs panélistes ont communiqué autour de la conférence organisée. C'était dans le cadre de la vulgarisation de la loi sur le blanchiment des capitaux. Guy Matondo.
Dès l'entame, le secrétaire exécutif de la Cellule nationale de renseignement financier a brossé le parcours et l'historique de la CNRF avant de relever le fait que des organismes internationaux comme le GABAC, le groupe d'action contre le blanchiment des capitaux en Afrique centrale, a jugé insuffisante, faible et non conforme les différentes réalisations de la RDC. Depuis, le gouvernement de la République a initié des réformes pour se mettre aux standards internationaux. Dans une approche didactique, Adlai Kissula a expliqué à l'assistance, composée des assujettis pour la plupart, les avancées significatives de la RDC, notamment la promulgation par le chef de l'État de la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette loi qui fut promulguée après sa lecture en termes identiques à l'Assemblée nationale et au Sénat. Autre engagement de haut niveau, c'est le fait que le gouvernement de la République a doté la CNRF d'un cadre de travail optimal et des infrastructures viables qui ont été du reste inaugurées dernièrement par le président de la République. Autrefois, la cellule logée dans les bâtiments d'un assujetti. Forte de ces arguments de taille et d'autres avancées, la RDC va se présenter le mois prochain en île Maurice pour défendre son dossier devant le GAFI, le groupe d'action financière internationale. Ce dernier a mis sur place un plan d'action pour sortir le pays de la liste grise d'ici 2024. Adlai Kissula en appelle à la conjugaison des efforts de tous pour que le plan d'action soit validé et que les dispositifs congolais soient jugés forts au bout de l'échéancier de 2 ans fixé par le GAFI. Ils ont échangé pour trouver un dialogue promettant concernant les problèmes qui les opposent, tels que le salaire, la prime, ainsi que la rémunération strictement budgétaire. C'était lors d'une rencontre entre le ministre de la Santé, Roger Kamba, avec les syndicalistes du ministère de la Santé. Il aura fait le tour de son secteur en 2 temps 3 mouvements. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Roger Kamba, était face aux syndicalistes du ministère. Infirmiers, médecins et administratifs étaient tous représentés. Aux côtés du vice-ministre Olé Messerge, le ministre de la Santé publique s'est étendu sur la matière de la réunion, que des interrogations sur fond de l'ouverture au dialogue. Roger Kamba a des idées sur lesquelles des discussions sont possibles. 3 éléments qu'il faudrait, à un moment ou à un autre, mettre sur la table. Est-ce qu'un petit salaire et une grosse prime est logique? Est-ce que c'est économiquement soutenable ou individuellement soutenable? Est-ce que la logique des rémunérations strictement budgétaires est bonne? Ensemble, le ministre et les délégués syndicaux devront donner des réponses. La couverture santé universelle est une solidarité avec les malades, mais il la faudra aussi pour les travailleurs. Le discours est passé et les représentants des travailleurs ont hâte de se retrouver à la table de discussion. Ce qu'il faut retenir, que sur le plan travail, le peuple d'abord signifie les travailleurs d'abord. Notre relation avec le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention est centralisée sur l'intérêt des travailleurs. Tout ceci, c'est pour la réussite de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État. Déjà, l'avantage est qu'ils ont en face un esprit éclairé et prêt à aller au dialogue. La célébration de la fête de Pâques à l'église Kimbanguiste a coïncidé avec la journée du 6 avril qui est celle du combat de Simon Kimbangu. À cet effet, la ministre du Travail, Claudine Ndoussi, a participé à cette célébration. William Nakov. Kimbanguiste de la fête de Pâques, cette année a connu une ambiance tout à fait particulière. Dimanche 9 avril 2023, au centre d'accueil Kimbanguiste à Kinshasa, pris d'assaut dès les premières heures du matin par plusieurs milliers de fidèles venus de toutes les paroisses de la capitale, de la cité sainte d'Inkamba, de l'Angola et de la République du Congo. Et pour cause, d'abord, elle coïncide avec la date du 6 avril, journée déclarée désormais fériée, chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Ensuite, la présence remarquable de plusieurs invités d'honneur, parmi lesquels la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi-Mwakembe, qui a pris part à cette cérémonie festive aux côtés des 2 autres membres du gouvernement, Judith Touluka, ministre d'État du Plan, et Antoinette Kipoulou, ministre de la Formation professionnelle. Enfin, elle intervient au lendemain du retour à Kinshasa du chef spirituel
est représentant légal de cette église universelle après sa mission pastorale à Brazzaville en République du Congo. Une occasion propice pour son éminence, Papa Simon Kimbangu Kyangani, d'exprimer de vive voix les remerciements du peuple noir en général et des fidèles kimbanguistes en particulier au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir honoré sa promesse par la signature de l'ordonnance fixant la liste des journées fériées en République démocratique du Congo, et c'est sur proposition justement de la ministre des tutelles, Claudine Doussimoa Kembe, et sa reconnaissance au gouvernement Samalou Kondé pour son accompagnement aux différents projets en faveur de cette église. Quel honneur revienne au chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a donné l'ordre en fait d'exécuter son instruction. Comme on dit, tout est bien qui finit bien. Nous avons désormais la journée du 6 avril reconnue comme la journée dédiée au combat de Simon Kimbangu et aussi pour la libération de l'homme africain. Nous avons demandé au chef spirituel, à l'église kimbanguiste, par rapport à cette volonté visible du chef de l'État. Cette grandiose journée pascale s'est clôturée tard dans la soirée par un imposant défilé d'honneur. Rendons-nous en province à présent, plus particulièrement dans la ville de Kananga, où les professionnels de médias sont à l'école du savoir depuis hier lundi. Ils renforcent leur capacité sur l'intégration d'exploitation, abus et harcèlement social dans les productions radio. On en parle avec Franklin Kalombo. Ces assises initiées par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA réunissent une trentaine de journalistes de radio des provinces du Kasaï, Kasaï Oriental et Kasaï Central. L'objectif étant de remettre à niveau ces professionnels de médias en vue d'élargir la sensibilisation de la population à travers les productions médiatiques sur les notions d'abus, exploitation et harcèlement sexuel. Des inconduites qui doivent être découragées à travers la dénonciation dans les mondes humanitaires et les secteurs sanitaires, explique Dr Marguerite Kunduma, chef de bureau UNFPA Grand Kasaï. La Banque mondiale a financé UNFPA à travers son unité de gestion des projets IGPDSS pour que UNFPA accompagne les systèmes de santé. Les systèmes de santé pour intégrer aussi la lutte contre l'exploitation et abus sexuels dans les systèmes de santé. Parce que comme vous savez, les systèmes de santé, c'est un système qui brasse beaucoup d'argent. Donc là aussi, on veut vraiment assainir aussi ce secteur, faire qu'il n'y ait pas ce genre d'abus. Ces assises de 5 jours sont également une façon de préparer ces journalistes des provinces du Grand Kasaï pour leur participation efficiente au prix Henriette Eke qui encourage la meilleure production médiatique sur la sensibilisation de la population sur les résultats transformateurs des UNFPA, à savoir la réduction de cas de décès maternels. La charte de l'Union sacrée est ratifiée, l'on se lance lentement mais sûrement à la conquête des nouveaux membres. C'est ce que nous dit notre confrère Cédric Kenina dans ce reportage. La charte de l'Union sacrée ratifiée, la Convention des démocrates travaillistes unifiée CDTU, s'élance à la conquête des adhérents. Pour contenir ces beaux mondes, l'IMCA a été choisi. Dans une effervescence totale, Stone Mukendi et sa fondation rejoignent les cercles du parti cher à Gisèle Ndaya, désormais ancienne ministre du genre. Cérémonie animée par les secrétaires généraux et les présidents intérimaires de la CDTU. Dans son message ponctué des acclamations et ovations, Gisèle Ndaya, autorité morale, a réitéré son soutien indéfectible au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, tout en rassurant de son apport pour sa réélection en 2023. Ezali mbula oyo tozokende na élection ndenge touti koloba sikoyo pona candidature ya mokonzi ya mboka biso CDTI tolobi tozopesa mandat ya mibale na Fati Béton. Vous avez suivi par voie des médias que nous avons signé la charte de l'Union sacrée pour dire que nous sommes derrière le chef de l'État. Nous travaillistes, nous prenons rien que le travail. Bomoni
to signé charte biso CDTI il y a union sacrée il y a koloba ke biso toza sima mokonza mboka un moment de convivialité aux couleurs de la CDT. Parlons à présent de ce reportage de Françoise Obuela au sujet de Pascal Omata, le nouveau vice-ministre au plan. Il était au cours d'un... il était ce samedi avec les gens de son territoire. Nous allons en parler dans ce reportage. Allez, allez. Des Pangi, Chabunda, Mwenga et Walikale se mettent en ordre utile pour l'appropriation du développement local des 145 territoires. Les notables et peuples de ces territoires se sont retrouvés le week-end dernier pour peaufiner des stratégies quant à ceux. Occasion également pour ces ressortissants de dire toute leur gratitude au chef de l'État pour l'élévation de M. Pascal Bitika Omana, vice-ministre au plan au sein du gouvernement Sama II. Cette cérémonie a connu la participation notamment du ministre d'État et ministre du Développement Rural, François Roubota, et du ministre de l'Agriculture, José Panda. Prenant la parole en premier, François Roubota, ministre d'État, ministre du Développement Rural, a invité le peuple léga à soutenir la vision du chef de l'État afin de lui donner un second mandat. Notre regroupement accompagne le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons été pratiquement le premier mouvement ADP à avoir saisi la main tendue du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois qu'il est en train de nous rendre l'ascenseur. Pour sa part, Charlie Wenga, président de l'Ouest général du peuple léga, s'est félicité de la nomination de l'unique représentant du peuple léga dans l'équipe gouvernementale. Il a réitéré le soutien de sa communauté d'accompagner les actions du chef de l'État dans cette partie du pays. Le vice-ministre du plan, Pascal Bitika, a lui aussi rendu un hommage déférent au chef de l'État ainsi qu'au premier ministre Samalou Kondé pour les choix opérés sur sa personne. Il a promis d'apporter un nouveau souffle au sein de ces gigantesques ministères, lesquels jouent un rôle transversal dans l'action du gouvernement de la République. Vous avez certainement reconnu le timbre vocal de Lucie Lavie Tshisenda et nous allons terminer par cette célébration de la Pâque, belle fête de Pâque pour les orphelins du centre d'hébergement La Grâce. Norbert Matanda, deuxième vice-président interfédéral de la formation politique ACP, s'est rendu les mains chargées des cadeaux. On en parle avec Iverson Kabwaba. Lui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Cet adage tiré de l'évangile vaut son pesant d'or dans le cadre de cette assistance sociale par Nobertine Matanda au centre de l'orphelinat La Grâce dans la commune de Kimbantseke au quartier Boma où elle a remis un don de vivres et non vivres pour renforcer la prise en charge des enfants hébergés par ces centres. Nobertine Matanda, deuxième vice-présidente de l'interfédérale de l'ACP, a circonscrit cette visite dans le cadre de la célébration de la fête des Pâques. Le don qu'elle a apporté est constitué de sacs de riz, de maïs, des sachets de sucre, des détergents et autres, symboles de l'amour et de la compassion à l'endroit de ces enfants démunis. Les enfants étaient désespérés. Et quand ils ont vu qu'une maman s'est intéressée à eux, une maman les rapportait à manger, tous ces logés, ils ont eu un sourire et moi aussi, ça m'a fortement réjoui. Signalons que ces enfants, logés dans une ancienne habitation, en état de vétusté très avancé, mais grâce à Nobertine Matanda, ils sont désormais dans une nouvelle habitation, adaptée plus ou moins au compte. Et ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Un journal réalisé par Patrick Bapuila, Jonathan Moubalama. L'équipe technique était assurée par Guilain Moukoko, Henri Alimassi, Alain Soudi. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, vous allez retrouver Gaëtan Magalano. Ce journal était coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina à Sedouga. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme chez vous. Paix et grâce dans vos maisons. Au revoir.